Somme goûte. Ah, t'as Ah, da kandola da kazin nalenda ki so nalenda ki dendi shi bari sro wa nalenda dendi shi ni shor la ta ngaranzo sangbu shor la chajang se ado shi sro wa sangbu shor la chajang se ado wa ondi do shi ta ngaranzo la kokop chung bari es M'entendez? Oui. Kanjola a été invitée par Nalanda, par le monastère de Nalanda, et nous avons eu la chance, l'opportunité en fait de pouvoir l'inviter à notre tour. Donc, quand il y a quelque chose de favorable, de bon, on peut nous-mêmes enfin, on peut nous-mêmes en bénéficier, en profiter également. Et nous sommes extrêmement chanceux, donc fortunés ou chanceux, que Kanjola ait bien voulu accepter de venir nous parler du dharma. C'est un être qui est doté de capacités de prophétie, enfin, qui est à même donc de faire des prophéties et qui est doté de capacités de clairvoyance. Et c'est au nom donc de l'ensemble de l'institut, de l'ensemble des étudiants donc qui bénéficient de cet institut que je tiens à remercier Kanjola d'avoir accepté de venir ici. Ce que l'on a demandé à Kanjola, en fait, c'est de nous expliquer en fait quelque chose en relation avec le dharma qui nous amène à avoir l'esprit heureux, finalement, nous sentir heureux, éprouver le bonheur, le bien-être. Et je pense qu'il y aura un réel bienfait, un réel bénéfice si, après que vous ayez écouté ce qu'elle aura à vous dire, vous y réfléchissez, vous en tenez compte, vous essayez d'en tirer le meilleur parti, de l'utiliser ou de l'appliquer. Je pense que vous en tirez le plus grand bénéfice. Donc, merci beaucoup. Merci. La jambaya dava dobe sanje jivadan jazude deva sheva jide jamba jevo dobe kalo jova lana meva laza menamjede sanje jumdende bejava shaja dova la jazelo chedo jazo jevo Sajinde la gomba dibone ani jidende na choje zon deze keba jela jade lo nanda gunga jodo suzamba ishi jazo seje lumbo da dava jide Sunna lame wa bhava jini jala chaze Senjo dhamma jime dhaye je Sendo dhava jala chaze Dede jada zhava zhama je Nyame jinje jala chaze Je t'aime.
Jame, 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 J
Yeje nambara jebe kamje bado yame do mareba mareba zeba meba ne gaje me gaje zeba yame do deje do donga wada kunjo wada goba da la yeje me do ba me ba do ba yame do share bo de da ven Andova me vejere shera je palu do jimbala deje ne de zela deba me daba me de cinje lo le shendo de ne nyang ele de ve dara jendo de zondo nambara ju danje danje jang shera je palu do jimbala de ne lana me ba yanda do ve janjo do gombala do ba zanje do de da ve na shera je palu do jimbala Reva jembe nga, lana mebe nga, minyam baza nyambe nga, dunghe danje la do jeva jeve nga, mize bena demba jeva, shira jeba re do jembe nga, meba zaya za, gade gade para, para zang gade bodhi so, vajare bo janju sema sema jembo te da shira, Pare do chimba samala la baraja wo tene chun dende dengen dende lejin Janju zemba zemba jimbo baba jire ze wanju Dijawa chine lezo lezo reje bo dede jindo reje bo dede jin Jidara jije zemba deje do jira je pare do chimba samala Jevara chate deje jeva nanja jizo yirangu chanzen deje deje jiga zene tedalem Sharibula chanjo zemba zemba jimbo baba jire ze wanjo Taman jeda denbe kuro deda da lada meda lama yinan jeza jibe jide ye Chanzen deje zumba langwa de do Jebe nejo dambade, ngweshe zulu ngayi dozoje, luba bula mayi bujeze, nezo kandre zola jade lo. Aka samaranda shatara samara ebe. Yadara zamara yame Gade gade para gade para sangade buddhi soha Papa kunjo sumji kaede me doji chir Loba juji meba juji shewa juji Dage baji mindebe chore ngenba danje shindu kuri soha Geri tanda jeju shiwada Medini pe chintan rewada Tumba ruji pisun soju Tashi deja dinde dele jo
Vous avez compris, c'est bien. Ani, ngarang ay, bebe pomo. Ani, tapja, mieux sam dans la chambre de ni. Junji de, quand y a mieux ni zi. Je suis une Tibétaine ordinaire, en fait, qui ne connaît pas le. Je suis une jeune femme tibétaine ordinaire qui ne connaît pas grand-chose au dharma, qui suis tout à fait ordinaire, qui connaît les affaires du monde simplement. Déjà, Ani Konaba, Kishilada, Ani Konabazo, Parenzi, Tawai, Chuzo, Medatinji, Pazu, Moshin, Tawalati, Drotna Yawudu, Tamshi, Chesna Yawudu, Tinjimabusungudu,
아니 나랑라 미세게 아 지 메라 담시 체당 메라 핀도 체야지 저당 잔님이데 아니 코노바지 송월아니 메 쉐페마소 Le Seigneur Vajradhara, donc Dharamsala, donc le Seigneur Vajradhara, donc qui n'est autre que sa sainteté, m'a conseillé, en fait, m'a demandé de répondre aux invitations, par exemple de venir en France ou d'aller ainsi en Occident ou autre. Et par exemple, lorsque cette invitation, donc faite par Geshe Jampel, m'a été ainsi adressée, je n'ai pas pu le refuser. Ainsi, je n'ai pas su lui dire non, avec l'idée donc d'être utile ou d'essayer d'être bénéfique. Ani che nambo zide rurusine phaya de lange mixe thoji che na si jugi. Et je vous remercie de vous être ainsi rassemblés, regroupés en cette occasion. Je vous en remercie. Ani je ngarang ge chiran zo la phen thoyaji phije ge che chira she thu mare. Et peut-être que je n'aurai pas grand-chose à vous dire qui vous sera d'une grande aide, qui vous aidera. An chiran zo rawa na la. Déjà plus ou moins, il y a une année, mais c'est jeune, tu es jeune, ça me l'a. Puis ta jeune, mais c'est, mais c'est quoi, zoré. Et la moitié de notre vie. Contente, celle pour contente. Et dans un pays, donc vous vivez dans un pays libre, un pays démocratique dans cette idée-là, et donc vous avez vécu la moitié, déjà au moins plus de la moitié de votre, la moitié ou plus de la moitié de votre existence est ainsi passée dans ce pays donc libre où il y a des libertés, et vous avez vous a donné donc aux activités mondaines et au dharma. Et vous avez écouté donc à de multiples reprises des enseignements. Vous avez certaines, vous avez écouté donc par le passé de nombreuses reprises. Et si alors que je dis cette jeune femme tibétaine que je suis dit des bêtises ou des erreurs, fait dit des erreurs aujourd'hui, je vous m'en excuse par avance. Lorsque j'ai entendu parler du titre de ce rassemblement, c'était comment être heureux, comment faire de sa vie quelque chose de manière à être heureux. J'ai été moi-même ravie d'entendre parler de ce titre-là. Seulement pour ce qui est d'y arriver, des moyens d'arriver à mettre cela en place, je ne suis pas très experte ou très compétente en la matière. Ani tuzu changmalo yang jawa seda jibala yang chujik thagaza burubura chaya tuzu gondaa shuya nyesen shuya chikche. Comme il se peut que je dise des mots du dharma de ci, de là, je pioche un petit peu des mots du dharma de ci, de là, je m'en excuse d'ores et déjà auprès des bouddhas et des bodhisattvas. Je leur présente déjà mes excuses. Ani ngazu jibu yongyage Et
Et c'est avec l'intention la plus pure, en fait, que j'ai accepté donc ce rendez-vous, ce rassemblement, pour que cela vous soit autant bénéfique à vous-même qu'à moi-même, autant bénéfique à vous-même qui écoutez qu'à moi-même qui allez expliquer. C'est avec la motivation, l'intention donc la plus pure possible que je m'y engage. Ta deji layaji, jibo, mise jibo yunga layadi, ta ji rinbaja. Pour ce qui est de rendre sa vie heureuse, de créer son bonheur, en fait, je pense qu'il faut évoluer ou agir de manière graduelle, de manière progressive, parce qu'il y a de nombreuses présentations, il y a de nombreux aspects, et je pense qu'il faut procéder de manière progressive. Le bien et le mal sont deux aspects qui sont relatifs, en fait, qui existent en dépendance l'un de l'autre. Il n'y a rien n'est bon en soi, rien n'est mauvais en soi. Sozo, ani, tu, dom jawaina, ani, sambutangemba, chidin, samalo, jizadi, semje, chingdo. Pour le dire de façon plus simple encore, je pense que ce qui est bon et ce qui est mauvais, ou tout ce qui est tout le mal, tout le bien, finalement dépendent étroitement de l'esprit. Jibun de nian sem, tubuzo nian sem, mande nian sem, chosawa. Ce qui fait le bien, c'est l'esprit, ou ce qui fait que les choses sont bien, c'est l'esprit, ce qui fait les choses qui sont mal, c'est l'esprit. Tout ce qui nous arrive, de bon ou de mauvais, finalement, tout ça, c'est l'esprit. Et ce qui aspire au bonheur, au bonheur ultime, c'est l'esprit. Et ce qui empêche l'accès, finalement, à ce bonheur ultime, c'est également l'esprit. Maintenant, de savoir d'où vient l'esprit, jusqu'où il remonte, d'où il provient, ça, c'est extrêmement difficile. Parce que si justement poussé par cet esprit qui nous amène à commettre le bon, le mauvais, l'on erre encore et encore dans cette existence cyclique, on tourne encore et encore et on prend de multiples formes à travers les cyclas d'être. Marikba, donc il y a des gens tangzi, rang, tacte zin, tangzi, marikba, là il y a des gens. La racine de la souffrance, la racine de tout ce qui nous est difficile ou pénible, où est-ce qu'on la trouve? On la trouve dans l'ignorance, et en particulier cette ignorance qu'on appelle la saisie du soi, donc cette saisie qui sous ce mode d'appréhension, donc erronée, donc qui se méprend quant au soi. Et c'est peut-être cette saisie du soi, n'est-ce pas, qui fait que l'on va saisir, en saisissant ainsi le jeu ou le soi, qu'il y a le bonheur, qu'il y a la souffrance, qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, qu'il y a soi, qu'il y a l'autre, n'est-ce pas?
제산다 수수정원에 대지 엄마지 탈투가지 아니 탈투기 대화 아니 내값이 대화지 내당 주차대도 하고야지 기체주의도 Aussi à ce titre-là, alors que l'on aspire à un bonheur ultime, quand on pense au bonheur ultime et même à un bonheur finalement à moyen terme, de plus courte durée, il est extrêmement important de savoir finalement comment le mettre en place. Le fait de savoir cela, de comprendre et de le savoir est quelque chose d'important, mais plus au-delà de cela, le fait ensuite de familiariser son esprit avec cela et de l'appliquer, de l'intégrer, c'est extrêmement important. On va reparler en fait de cette racine, en fait, donc de ce mode d'appréhension du soi, du jeu. Et ce sont des choses que j'ai dit ces jours-ci. Donc, si certains d'entre vous étaient déjà présents, je vais répéter. Donc, je vais revenir encore là-dessus et encore, je vais le répéter. Il est extrêmement important de comprendre cela, de comprendre finalement qu'est-ce qui est à l'origine de la souffrance, c'est-à-dire ce mode d'appréhension du jeu, d'arriver à bien comprendre cela. Parce que finalement, nous aspirons tous au bonheur, nous aspirons tous au bien-être et nous étudions beaucoup pour cela. Et si nous regardons pourquoi est-ce que nous étudions, c'est pour parvenir à ce bonheur, afin de concourir à ce bonheur. Et il est important déjà de faire la distinction entre ce qu'on peut entendre par bonheur absolu, bonheur ultime, d'un côté, et un bonheur temporaire. Dans les gens qui ont été en train de se faire,